J'arrive. Tu n'imagines même pas la nouvelle. Devine qui est dans le quartier. Je sais pas, David Bowie. Non, Nadia Lemos, la présentatrice de télévision. Regarde, j'en tremble encore. Pourquoi? T'as froid? Pourtant, il fait une chaleur à crever. Imbécile, je suis sa plus grande fan, tu sais. Tu devrais plutôt te concentrer et m'aider à réfléchir à un truc. Quel truc? Et maintenant, va travailler. J'ai encore besoin de bosser sur mon projet sur Internet. Et je ne sais toujours pas ce que c'est. Amour, je te l'ai déjà dit, c'est compliqué à expliquer. Mais rassure-toi, ton beau gosse préféré va se faire plein de caillasses. Et le reste, c'est du détail. On dirait moi, tout ce que tu fais devient un succès. T'as raison. Ciao. À tout à l'heure. Votre cire est merveilleuse. Ma peau est encore plus douce qu'une peau de bébé. C'est quoi le secret de votre produit? Ah, ça, je ne le dis pas même sous la torture. Et si je vous promets de faire de la pub pour votre salon? Oui, je pourrais en parler lors de l'émission et même faire un reportage sur votre institut. De la publicité pour mon salon à la télévision? Ça pourrait m'ouvrir bien des portes. Non, parce que dès que je révélerai le secret de ma cire, la concurrence va la copier. Non, non, désolée, ce n'est pas possible. La seule chose que je peux vous proposer, c'est une épilation gratuite. Non, attendez, je plaisantais. Je ne veux rien en échange. En fait, je pense que toutes les femmes devraient essayer votre cire magique. Et préparez-vous à avoir de la demande. Je vais parler de vous dans mon émission. Encore un pas en arrière. Carlos était dans le hangar où ma sœur est morte. Il savait certaines choses. Et avec son suicide, je n'ai plus aucune piste sur la mort de ma sœur. Ce n'est pas perdu. On a encore le prisonnier qui était en cellule avec Luca. Oui, Nando. Exact. On doit poursuivre cette piste. Il doit bien savoir quelque chose sur l'empoisonnement de Luca en prison. Le seul moyen de l'obliger à parler, c'est de découvrir un détail croustillant sur sa vie. Je suis persuadée que la personne qui a fait tuer Luca est impliquée dans le meurtre de Nzola. C'était peut-être Carlos. Et il a fait tuer le seul témoin qui pouvait l'incriminer. Et encore une voix sans issue. Ouais. Mais on va voir. Garde espoir. Au fait, je me suis souvenu d'un truc. De quoi? Je ne sais pas si ça va aider, mais c'est une idée. Vas-y, dis. Il y a un laboratoire américain avec lequel j'ai collaboré. Ils m'ont bien aidé à résoudre un cas très complexe au Brésil. Ils ont accès à des technologies qu'on n'imagine même pas. Et tu suggères que je leur envoie le dossier de Nzola. Ils pourraient peut-être découvrir du nouveau. Il y a quelques années, j'ai collaboré avec un laboratoire européen, mais ils n'ont rien découvert. On peut toujours essayer. Ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas motivé comme ça, Pedro. Merci, parce que je me sens moins folle et obsédée. Tu peux compter sur moi. Merci. Ciao. À demain, Lemba. Du calme. Je dois parler avec Lemba. Je sais, elle ne va pas tarder. Elle va t'aider, ne t'inquiète pas. Tout a une solution, ma grande. Je dois lui parler. Elle va t'aider. Reste calme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Je dois te parler, Lemba. Elle est très nerveuse, ma chérie. D'accord, maman, laisse-nous seules, s'il te plaît. D'accord, je vais dans ma chambre. Je vous laisse tranquille. Assieds-toi. T'imagines même pas ce qui s'est passé. La dame dont je t'ai parlé, Sheila, elle a demandé à un gars de me surveiller. Quoi? Elle a dit que c'était pour être sûre que j'ouvrirais pas la bouche et que je dirais rien à la police, j'ai peur. D'accord, du calme, du calme. Je suis venue te dire... Je comprends, tu as peur de porter plainte. Au contraire, je veux avancer. C'est vrai? Je veux aider à faire enfermer cette Sheila et ceux qui tirent les ficelles. Je sais que c'est difficile de prendre une telle décision, mais il y a que comme ça que la police pourra arrêter toutes les personnes qui sont impliquées dans ce réseau. Je suis prête à faire le nécessaire. Mais Lemba, il faudra me protéger. Oui, bien évidemment, tu dois seulement être patiente. Patiente, comment ça? Le fait de monter une opération pour démanteler un réseau de ce genre est assez compliqué, ça peut prendre du temps. Tu es sûre d'être prête pour ça?
Je suis terrifiée. Mais oui, je suis sûre, faut que je le fasse. De la part de papa? Oui. C'est l'inspectrice Lemba qui me l'a donnée quand elle est passée. La lettre était sur ton père quand on l'a trouvée. Pourquoi on ne la reçoit que maintenant? C'était sa volonté. Qu'on vous la donne le jour de son enterrement. Mes chers enfants, s'il y a un mot pour résumer ce que je ressens pour vous tous les jours depuis votre naissance, ce mot est amour. Je sais qu'aujourd'hui est un jour où la tristesse et la révolte se sont emparées de vos cœurs. Mais je voulais vous laisser deux messages que vous ne devrez jamais oublier. Le premier est de ne jamais cacher votre nature profonde. Soyez fidèle à vous-même. Ça peut parfois être difficile, mais c'est la seule manière d'être heureux. Ce que j'ai été incapable de faire, car je souffrais trop intérieurement. Le deuxième message concerne vos rêves. Avec le temps, on vieillit, et souvent on met de côté et on oublie ce qu'on souhaite depuis notre plus tendre enfance. N'oubliez jamais vos rêves. Il n'y a rien de plus important que de rêver dans la vie. C'est le début de la réalisation de toute chose, d'un projet, d'une relation, d'une famille. Quand on oublie ses rêves, la vie n'a plus de sens. Je vous aime, Carlos. Je ne vais plus rien repousser, Greg. Maintenant que les funérailles sont passées, je veux affronter cette convocation. Ne va pas voir la police aujourd'hui. Appelle-les et parle-leur de la mort de Carlos. Pour être encore plus nerveuse et angoissée, je dois savoir de quelles preuves disposent Joël et Jamila contre moi. Une fois pour toutes. Attends, je t'accompagne. Bonjour. J'ai besoin d'un renseignement. Je suis venue à cause de cette convocation. Je suis Bianca Kiala. Suivez-moi, s'il vous plaît. Bon, je vais t'attendre ici. Tu ne t'excites surtout pas, d'accord? Tu écoutes bien et puis tu réponds. C'est d'accord? Dites, ça va être long? La convocation est très claire. Vous êtes accusé d'avoir renversé et tué Candida Pereira, puis d'avoir pris la fuite. Monsieur l'agent, je connais ce document. Ma question est, avez-vous des preuves? Cette chaîne, elle est à vous. Bonjour. Cela fait maintenant 3 mois qu'a débuté le procès de Bianca Kiala, la directrice de la prestigieuse B-Sport. Elle est accusée, je vous rappelle, d'avoir renversé et causé la mort de Candida Pereira. Le crime a été commis il y a 16 ans à la montagne de Leba.
Le verdict sera rendu aujourd'hui. C'était une véritable imposture. Je pense que personne dans cette salle n'a pu croire les déclarations de Bianca ces derniers mois. Oui, mais elle avait l'air ferme et sûre d'elle. Mais elle mentait, mon amour. Elle a dit que le jour où ta grand-mère est morte, elle et Greg sont allés se balader hors de la ferme et ne sont même pas passés par la montagne de Léba. C'était un bon alibi. Ton témoignage était parfait pour embrouiller l'assemblée. Il y avait mieux. Ton explication pour justifier la chaîne dans les mains de la vieille, c'était pas mal non plus. J'ai été convaincante, pas vrai? Dérobée? C'est ridicule. Elle a dit qu'elle a été agressée et qu'un bandit quelconque lui aurait dérobé la chaîne. Et que ma grand-mère, une pauvre femme, se soit payée le luxe de l'acheter à Lubango. Mais je suis confiante, ces mensonges ne convaincront pas le juge. J'espère bien, Joël. J'en ai marre, je suis fatiguée de cette histoire. J'espère qu'après ces 3 mois, le juge aura enfin compris qu'elle est coupable. Il y a de fortes chances pour que tu sois innocentée, mais il y a un mais. Tu vas encore parler de l'employé de la ferme? Ton témoignage est dangereux, Bianca. Cet homme a déclaré que tu conduisais en revenant à la ferme. Et alors? Dès que tu conduis, tu écrases des vieilles, moi non. J'espère que le juge te croira. Mon chéri, quelqu'un doit aller sur le banc des accusés, et c'est moi. Je suis prêt. On exhibe ma nouvelle voiture? Aujourd'hui est un jour important. Tu es nerveuse, maman? Nerveuse, anxieuse et inquiète. Soraya, restez positive. La chimio est terminée et c'est bien déroulé, mon amour, alors. Du courage. Tu vas au centre hospitalier chercher tes dernières analyses. Tu es peut-être guérie. Bon, allez, tu nous fais un petit sourire, hein? On pousse à gauche, puis à droite, on tend les jambes, on fait des roulades. Oh, allez, Walter, fais-moi plaisir. Arrête. Je n'irai mieux qu'une fois que je saurai que je suis libérée du cancer et que ma fille est innocentée de ces accusations. Notre famille a besoin d'un nouveau départ. Depuis la mort de Carlos, nous vivons tous dans l'angoisse permanente. C'est le jour idéal pour être optimiste, pas vrai, papa? On doit y aller. C'est bien, ma fille. Bonne chance, chérie. Ça va aller. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Dès que j'aurai des nouvelles du tribunal, je vous appellerai. Est-ce que cette Bianca va être emprisonnée? J'espère bien, parce que tuer quelqu'un et fuir est un crime. Il reste juste à savoir si le juge partage cette opinion. Je garderai mon portable sur moi pour donner les bonnes nouvelles. Je ne serai soulagée qu'en entendant le mot coupable. Bien, il est temps d'y aller. À plus tard. À plus. Bonne chance. Bonne chance. Merci. Papa, alors, tu fais quoi à tout retourner? J'ai paumé mon téléphone. Demain, c'est le tournoi de basket et j'ai encore un tas de trucs à faire. Mais est-ce que je peux travailler? Je te dérange? Je sais que ça ne te fait pas plaisir, mais tu dois travailler pour réussir. C'est comme ça. Je vais chercher dans le bureau. Rose, je te dépose ou pas? Je suis pressée, moi. Oui, je viens. Le Dieji a besoin de mes beignets. Et il en reste un pour le petit-déj? Comme toujours, ma puce. Je ne sais pas comment tu as réussi à survivre sans mes petites attentions. Ah, mais je suis spécialement revenue pour ça. Allez, vite, Rose, mon portable n'a pas arrêté de sonner. J'ai la matinée remplie de livraisons. Et Dieji Express ne peut pas rater une livraison. D'accord, d'accord, je suis là. À plus tard, Poussin. À toute, maman. Entre. Margarita n'est pas là, mais on va essayer de faire vite. On pouvait se voir ailleurs. Où ça? Depuis que Clyde a fait n'importe quoi, ça fait des mois que je ne vais plus là-bas. Nos contacts doivent se résumer au strict minimum. Je t'ai fait un virement hier. J'ai vu, je suis passé à la banque. Et comment se passent les préparatifs pour la petite fête? J'ai la liste des filles ici. Tu en dis quoi? Ouais. Parfait pour moi, c'est bon. Alors, je peux commencer à appeler les filles? Vas-y. Et tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur, compris? Ce sera la plus belle fête que cette maison ait connue. Crois-moi. Tu dois être patiente, Clyde. Dès le début, je t'avais dit que ça pouvait prendre du temps avant qu'on attrape Sheila et les personnes qui sont au-dessus d'elle. 3 mois sont déjà passés, Lemba. C'est beaucoup de temps avec ces hommes et tous ces gens. Je sais, Clyde. Désolée, mais tu sais pas. Je peux même plus me regarder dans la glace, j'ai honte de moi. On fait tout ce qu'on peut. La police, pour l'instant, n'a rien fait. Je vis dans la crainte, je suis désespérée. On doit trouver le moment opportun pour attraper tous ces gens. Et est-ce que ce moment arrivera? Oui, tu dois rester forte. Je sais pas si je vais tenir longtemps.
Allô? Ouais, allô, Clyde. Tu annules tous tes plans pour ce soir, et aussi tous ceux pour demain matin. Ce soir et demain matin aussi, mais pourquoi? Parce que je l'ordonne, ma grande. Une fête spéciale à la maison. Prends des vitamines parce que tu vas avoir de quoi faire. Hein? Et ne sois pas en retard. C'est compris? Oui, c'est compris. Alors? Il va y avoir une fête à la maison. Une fête? C'est ce qu'elle a dit avec plusieurs clients. Alors c'est aujourd'hui, Clyde. Comment ça? C'est le moment. Aujourd'hui, on en finit. C'est bientôt fini, j'en peux plus d'attendre ce jugement. Pour toi, ça a été 3 mois compliqués, mon amour. Et moi, j'attends depuis 16 ans de voir Bianca tomber. Madame Kiala vient tout juste d'arriver dans l'enceinte du tribunal. Le couple infernal est là. Au moment où je vous parle, elle est tout près de moi. Voyons si elle a une déclaration à nous faire. Madame Kiala. Madame Bianca, prête pour le verdict. Madame Kiala. Madame Kiala. J'ai hâte d'entendre le juge me déclarer innocente. Vous maintenez votre déposition initiale. Cette accusation de Jamila Pereira est une tentative pour salir mon image, mais il n'y arrivera pas. Êtes-vous confiante? On en parle plus tard. Excusez-moi. Madame Kiala, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Madame Kiala. Est-ce que vous êtes confiante? Madame Bianca, Madame Kiala, s'il vous plaît, une réponse. Madame Bianca. Madame Bianca. S'il vous plaît, est-ce que vous voudrez vous entendre le jugement? Madame Kiala, est-ce que vous êtes confiante quant à l'issue de ce procès? Salir son image? Comment est-ce qu'elle est capable de dire un truc pareil après tout ce qui a été dit au tribunal? Tu es encore indignée par ces coups bas? Cette femme mérite un premier prix de manipulatrice, c'est certain. Je veux que ça se termine. Du calme, mon amour, c'est bientôt terminé. D'ici peu, le juge va entrer et prononcer le mot « coupable ». D'accord? Et on ne va pas attendre plus. Le voilà. Courage. Asseyez-vous. Dans l'affaire d'homicide et de délit de fuite ayant causé la mort de Candida Pereira, le tribunal, après délibéré, est arrivé à un verdict. C'est maintenant qu'il... Écoute ce qu'il va dire. Il a été prouvé dans cette enceinte que Candida Pereira a été renversée par une voiture dans la montagne de Leba. Bianca, attention! Il a été prouvé que la victime détenait une chaîne appartenant à Madame Bianca Kiala. Est-ce qu'elle est morte, Bianca? Non! Elle est en vie, Greg! Allons-nous-en d'ici! On se casse, Bianca, on se casse! Aidez-moi! Aidez-moi! Il a également été prouvé que le jour de la mort de Candida Pereira, Madame Bianca Kiala conduisait le véhicule d'Ernesto Kalenga et était accompagnée par Gregorio Kiala. Bianca, t'arrêtes pas! Et ma chaîne? On s'en fout de ta chaîne, t'arrêtes pas, je te dis, t'arrêtes pas! Comment ils osent? Je savais qu'on aurait des problèmes. Tout le monde doit déjà le savoir. Ferme-la, Greg. Bianca, on a piqué cette voiture. Je t'ai dit que je résoudrais tout, imbécile. Mais comment? Comment tu comptes arrêter ce réseau de prostitution? À cette fête que va donner Sheila. Un flagrant délit avec des mineurs, c'est tout ce dont on a besoin. Clyde, on attend ce moment depuis tellement longtemps. Et je dois faire quoi? Pour l'instant, rien. Tu vis normalement pour ne pas éveiller les soupçons. Mais Lemba... Clyde, écoute, je sais que tu es nerveuse, angoissée, c'est normal, mais tu dois me faire confiance. Rien que de savoir que je vais sortir de ce cauchemar, ne plus voir ces hommes, cette Sheila, et plus être abusée... Tu dois juste attendre mes instructions. Je ferai tout ce que tu me diras. Bien, je dois passer au commissariat pour monter une équipe et coordonner tout ça. Tout doit être parfait quand on s'invitera à cette fête. Bonjour les filles. Tu es ici à cette heure-là, tout va bien? Oui, on allait sortir, maman. Attends, chérie, dis-moi, tu sais quelque chose sur le jugement de la mamie de Jamila? Non, j'en sais rien. À plus, maman. Ciao, les filles. Au revoir, Madame Maria.
Je me trouve devant le tribunal où, d'ici quelques minutes, sera révélé le verdict concernant Bianca Chiala. Nous saurons si la fameuse fondatrice de Besport sera jugée coupable ou innocente d'avoir renversé et tué la grand-mère de la chanteuse Jamila Pereira. Une affaire qui remonte à 1998. Après avoir examiné les preuves et entendu les différents témoins présentés par l'accusation, nous considérons que rien ne prouve la présence de Madame Chiala dans la montagne de Leba le jour de l'accident ayant causé la mort de Candida Pereira. Non, c'est impossible. Attends la fin. Par conséquent, Madame Bianca Chiala ne peut être considérée responsable de la mort de Candida Pereira. Allez, vas-y, dis-le. Madame Bianca Chiala est donc considérée innocente. C'est une injustice! Non, ce tribunal a mal lu le dossier! Contrôle-toi! Calme-toi! Je hais cette femme de toute mon âme! Ah, enfin! Tout est enfin terminé! Profite bien de ce moment, ma chérie. Madame Bianca, une déclaration après votre victoire? Je n'ai rien à ajouter. J'ai passé 3 mois dans l'angoisse. Mais la justice a enfin rendu son jugement. Et vous pensez que Jamila Pereira fera appel de la décision du tribunal? Madame Jamila Pereira devra plutôt craindre un procès pour diffamation. Pensez-vous attaquer Jamila Pereira? Je devrais. Mais je ne laisse aucune place dans ma vie aux personnes mal intentionnées. En ce moment, je veux juste oublier ce procès et Madame Pereira. Comment vous sentez-vous après cette victoire? Heureuse, très heureuse. Ce verdict, c'était n'importe incroyable. Quoi! Incroyable, je ne pensais pas que Bianca se sortirait avec d'une histoire pareille. Avec des témoignages, elle réussit quand même à s'en ça sortir. Ça ne va pas se passer comme ça, ça non! Calme, Joël. Insulter les autorités ne servira à rien. Tu pourrais être arrêté. Elle a raison. On doit faire appel, non, maître! Pour moi, ça suffit. Comment ça, Jamila? Mon combat se termine tu ici. Tu ne veux pas faire appel? Cette femme doit aller en prison. On peut encore présenter un recours. Oui, c'est ce qu'on va je faire. Je ne veux plus aller au tribunal. Hors de question, Joël. Le juge a décidé, c'est et terminé. Et toi, tu vas abandonner l'affaire? Mais cette décision, c'est la tienne ou la mienne? Gardez votre calme, s'il vous plaît. Écoutez, si vous avez besoin, vous m'appelez, d'accord? Oui. Joël, ce procès était censé rendre justice à ma grand-mère. Il ne fait pas partie de ta vengeance. Je le sais bien, mais la justice doit être rendue. Si je dis que cette affaire se termine maintenant, j'attends seulement ton soutien, rien de plus. Mais c'est une... S'il te plaît, Joël. Quand j'ai voulu intenter un procès, tu m'as soutenu et là, je veux que tu respectes mon choix. Parlons plutôt de ça dehors. D'accord. Allons-y. Je vais pouvoir me concentrer sur la nouvelle ligne de produits d'Exclusiva et Besport. Le lancement sera bientôt prêt. Et je vous invite à l'inauguration. Madame Chiala, s'il vous plaît, une autre petite question, Madame Chiala. On y va. Madame Chiala, qu'allez-vous faire maintenant? Tu crois? Je ne vais pas partir au beau milieu du spectacle. Ce procès était éreintant et je ne m'attendais pas à ce résultat. Je vous en prie, s'il vous plaît, laissez passer. Je vais respecter la décision du tribunal, mais je continue de penser que Madame Chiala est responsable de la mort de ma grand-mère. Madame Pereira n'a plus rien à déclarer. Merci. Excusez-moi. Laissez passer, merci. Laissez-la passer. Poussez-vous. Non, ignore-la, Joël. Qu'est-ce que tu cherches? J'aimerais savoir si cet échec t'a servi de leçon. Bianca. Mieux vaut que tu restes hors de ma vue. Tu vois, je t'avais dit que ça ne servait à rien de te battre contre moi. J'ai même le tribunal de mon côté. Tu es une honte. Joël, hey, on se calme. Tu ne vois pas ce que cette vipère recherche? Alors, ma chérie, la frustration te rend mal élevée? Ferme ta bouche et ne parle pas de Jamila, compris? Bianca, va-t'en maintenant. Tu as eu ce que tu voulais. Ah, et toi, tu parles aussi? Je pensais que tu ne servais qu'à faire du riz cantonné à ton patron. Arrête, Bianca. Ne parle pas à ces gens. Je voulais juste entendre tes excuses. Tu vas payer pour ce que tu m'as fait à moi, à Jamila et à sa grand-mère. Présent au juge. Vas-y. Je vais te faire ravaler ton poison. Essaie pour voir. Essaie pour voir. Doucement, messieurs. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Ce fou est en train de menacer ma femme. Moi, c'est elle qui m'a provoqué. Joël, du calme. Monsieur, suivez-moi. Lâchez-moi. Calme-toi, Joël, calme-toi. Lâchez-moi, monsieur. Il faut enfermer cet homme. Monsieur l'agent, lâchez-moi. Tu es misérable. Je vous ai dit de me lâcher, monsieur l'agent. Je ne vais pas me salir les mains sur cette folle. Bon, maintenant, calmez-vous, je vous enferme. Ne vous inquiétez pas, on va le calmer, soyez tranquille. Ça vaut mieux.
Tu es fou, Joël. Bianca n'a pas été emprisonnée, tu veux prendre sa place? Je hais cette malade. Te mettre dans cet état ne changera pas le verdict, Joël. Pire encore, répondre à ces provocations va seulement te faire perdre la raison. Laissez-moi un peu seul. Joël. S'il te plaît, Jamila, j'ai besoin d'être un peu seul. Sur le site Potin tout chaud. Sur ce blog, Vanessa, ce site ne vaut que rien. Que le célèbre mannequin, celui qui est toujours sous, au fait, va se marier avec une femme qui est 25 ans plus vieille que lui, juste pour son fric. Vanessa, ta mère a raison. Les personnes qui écrivent sur ces blogs sont des lâches sans scrupules. Mais papa, qui n'aime pas les ragots, hein? Et le pire de tout, c'est quand ils filment des accidents de voiture, par exemple, et qu'ils les diffusent sur Internet sans même aider les victimes sur le coup. C'est vrai que c'est mal. Je n'avais pas aimé quand ils ont publié des choses sur Carlos. Mais je dois avouer qu'ils ne publient pas tout le temps de mauvais articles. Venez lire celui-là. Oh, je ne veux plus en entendre parler. Si les personnes ne les lisaient pas, ils n'auraient aucune visibilité. Et ça rendrait service à la communauté. Je ne comprends pas. Il y a tant de choses à faire dans ce monde. Je ne comprends pas que des gens puissent passer leur temps à faire du mal aux autres. La raison est claire. Ces personnes créent ces blogs pour gagner de l'argent. Si les informations et les vidéos ont beaucoup de visites, ils commencent à se faire de la publicité et les marques veulent apparaître sur leurs pages. Mais ils gagnent leur argent avec le chantage aussi, en menaçant des personnes célèbres qui paient pour dissimuler les scandales, parce que ces voyous menacent de diffuser les photos et les vidéos. Amour, je vais bosser, fais-moi un bisou. À plus tard. Je crois que je vais faire des photos bien sexy de moi pour les coller sur ton écran d'ordinateur. Pourquoi? Maintenant que je vis ici, tu le regardes plus que mon joli corps de bombasse. Amour, j'ai plein de travail, je dois me concentrer. C'est pas un travail, Nono, c'est une mission secrète au minimum. Tu dis rien à personne, personne ne sait rien, personne ne peut approcher, même moi je ne sais pas ce que tu fais. Je t'ai dit, Priscilla, c'est compliqué à expliquer, mais pas la peine de te fâcher. Parce que si je ne faisais pas ce boulot, je n'aurais pas eu d'argent pour t'inviter au resto, ni pour t'acheter cette robe. Hein, cette robe, je l'ai achetée chez Veza. Je t'ai offert la même. N'importe quoi, Nono. Je préfère que tu bosses plutôt que tu mentes comme ça. Je veux juste un peu plus d'attention, compris? Embrasse-moi. Je déteste ce blog. Et t'es dessus pourquoi alors? DigiExpress, bonjour, oui. Regarde, que des ragots. Oui, oui, je sais où c'est. Non, 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 ne vous inquiétez pas. Votre colis sera livré en 30 minutes. Merci d'avoir choisi nos services. Au revoir. Tu sais combien de livraisons on doit faire avant midi? 9. Et le téléphone n'arrête pas de sonner. C'est honteux. Gerson, éteins ça et concentre-toi sur le travail. Ça fait des mois que tu lis ce truc tous les jours. Bon, et maintenant on y va, parce qu'on a du travail. Et ça d'ailleurs, c'est grâce à toi. C'est toi qui as fait tourner la boutique pendant mon hospitalisation. C'est pas le moment de me remercier, mais de travailler. Tu vas livrer le colis à Prenda? Tu crois quoi? Après cette livraison, je vais direct à Makuluso. D'accord, je vais juste déposer les beignets à Nahir et après je remonte en selle. Des cadeaux, des beignets. Dès que tu parles de ma mère, t'as le sourire. Regarde, tu souris, tu souris. D'ici peu, il y aura une annonce de mariage au Dieji. Tu sais, dès que j'ai vu ta mère, j'ai su qu'elle était l'amour de ma vie. Sérieux, alors? Qu'est-ce que t'attends? Tu flippes? Faut pas perdre plus de temps. Demande-la en mariage, allez. T'inquiète, mon gars, je vais gérer ça. Je peux? Salut, ça va? Tu viens me faire un bisou?
Je suis à vous tout de suite, mademoiselle. Je veux surtout pas te déranger, j'ai vu que tu avais beaucoup de monde. Les clients s'enchaînent, dis-moi. C'est clair. Depuis le jour où cette présentatrice de télévision est venue ici et qu'elle a parlé du salon dans son émission, je n'arrête pas une seule seconde. Bonjour. Bonjour, ça va? Entrez, j'arrive. Oui, et d'ici peu, tu auras assez d'argent pour ouvrir ton spa. Tu crois? Pour ça, il faudrait que je remplisse mon salon en tant qu'un stade de foot un jour de match. Tu dois y croire. Tu vas réussir à accomplir ton rêve. Regarde Vesa. Elle a récupéré l'argent que sa sœur lui devait et elle voyage. C'est vrai, elle voulait tant aller au Brésil. Et elle y est. Je me demande bien ce qu'elle et celle sauf en ce moment même. Ils reviennent quand? Ils reviennent demain. Et toi? À part ton rêve de spa, tu ne veux rien d'autre? Que vouloir de plus? Mon fils est de nouveau en bonne santé, j'ai le meilleur amoureux du monde, mon affaire fonctionne très bien, tu veux que je veuille quoi de plus? Tout va bien? T'as jamais rêvé de te marier? J'en ai rêvé comme toutes les femmes, une jolie robe, une jolie fête. Mais ensuite j'ai choisi un homme qui avait déjà fait ça avec une autre femme. Alors j'ai arrêté d'y penser. Personne ne devrait jamais abandonner ses rêves. Ni de travailler. Vas-y, chérie. J'ai plein de travail. D'accord. N'oublie pas de manger un beignet. Oui. Faut prendre oui, des forces. Il n'y a plus qu'à faire chauffer le stylo. J'ai du mal à y croire. C'est un nouveau départ. Voilà. Contrat signé. Maintenant, notre partenariat est officiel. Partenaire. On fait la queue, s'il vous plaît. Il y aura des beignets pour tout le monde. Wilson, dans la queue, ou sinon, je t'en vends plus. Alors, Priscilla, comment ça se passe? Mes beignets se vendent? Mon ami, avec une variété pareille, ceux qui sont pas satisfaits sont vraiment difficiles. Alors, dis-leur de venir me voir. Deux secondes, j'ai des recettes adaptées pour tous les goûts. Cool. Et j'ai déjà pas mal d'idées. Génial. Rose, venez voir. Voici votre part des bénéfices de ce mois-ci. Ah, merci. Avec ça, je vais pouvoir payer Joël. C'est lui qui m'a prêté l'argent pour acheter le matériel et payer les dames qui m'aident. Vous pouvez me croire, il y a des commandes de tous les côtés. Je vais pouvoir rembourser ma dette et il m'en restera pour la prochaine étape. Vous parlez de quoi? Je vous dirai plus tard, soyez patient. Ah, attention à ce que vous allez faire. Ne vous éloignez pas trop du bar. Je vois que mon partenaire ne peut plus se passer de moi, je me trompe. Vous n'imaginez pas à quel point. Bon, allez, on n'a pas le temps de papoter. Je dois encore acheter du matériel. Vous m'accompagnez? Dites-moi un peu, Rose, ça ne vous dirait pas qu'on se tutoie maintenant qu'on est partenaire? D'accord, alors trouve-moi les bassines, partenaire. Elles sont sur ma liste. Ah, d'accord. Trouvons les bassines, partenaire. On y va. Allez, dépêchons. Ça. Et puis aussi... Attends. J'en prends deux directs. Ah, des bassines. Allez, bento. Voilà. Ah, ici, il n'y a rien d'autre. Passons de l'autre côté. Bien joué, on est... Allez, je prends. Allez. Attention au blocage. Allez. Non, mais c'est quoi, ici, ça ici. Non, passe. Moi, je suis démarqué, là. Tiens, attrape. Allez, je l'ai. Ouais. Oh. Venez voir. Ouf. Qu'est-ce qui vous arrive, hein? Vous ne voulez pas remporter le match? Alors pourquoi vous ne faites pas les combinaisons comme il faut? Dites, on a entendu dire que les joueurs des autres équipes sont des super balèzes. Est-ce que c'est vrai? Alors tant mieux. Une raison de plus pour vous concentrer. Si vous faites les bonnes combinaisons, le Dieji va tout déchirer demain. Croyez-moi. Il a raison. On est chez nous, les gars. On est les patrons. C'est exactement ça. C'est qui les patrons? Je veux l'entendre. Ici, c'est nous les patrons. Et Romain. On va gagner. Dieji. Allez, en place. Au revoir.
vas sortir? Oh, sérieux, Susanna, tu m'as fait peur. Où est-ce que tu vas? Je vais à Quentura jouer avec des potes. Monsieur Ivo et Madame Rose sont au courant? Bien sûr. À plus. Ça suffit, Joël. Suffit les crier la révolte. Je comprends que Bianca était en train de provoquer. Elle se moquait de nous, c'est clair, Jamila. Mais le juge a pris une décision et on doit s'y conformer. S'y conformer? Écoute, sincèrement, je ne comprends pas comment tu arrives à réagir de la sorte. Cette femme, Jamila, a pris la vie de ta grand-mère. Et tu crois que je ne voudrais pas qu'elle paie? Si tu voulais faire quelque chose, mon amour, alors pourquoi tu ne veux pas continuer qu'on la mette en forme? Joël, j'ai tout fait. J'ai déposé une plainte au tribunal et le juge a considéré que Bianca était innocente. Je veux juste tourner la page et fermer ce chapitre de ma vie. Est-ce que tu es capable de faire de même? Je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas juste. Cette femme a commis des erreurs avec tout le monde et elle s'en sort encore indemne. Oui, et qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas continuer à chercher un moyen de te venger? Joël, viens, je veux te montrer quelque chose. Quoi encore? Jamila! C'est ton clip, et alors? Tu as vu le nombre de vues qu'il a? Plus de 200 000. D'ici un mois, mon disque sort et j'ai déjà des concerts prévus un peu partout. Je sais bien. Ton entreprise est un succès. Le concours des nouveaux talents est un phénomène et c'est déjà la dernière ligne droite. Joël, on est ensemble après tant de péripéties. Jamila, où est-ce que tu veux en venir? Tu as tout pour être heureux, Joël. Tout. Tu veux perdre ton temps en haine et en ressentiment? Accepte la décision du tribunal et avance. Pour toi. Pour nous. Oui. Oui, tu as parfaitement raison, mon amour. À partir d'aujourd'hui, je ne penserai qu'à toi et à mon entreprise. Não quero pensar em nada. Vamos fazer um conto de...